Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons vous proposer aujourd'hui une émission spéciale, dans la mesure où nous n'aborderons qu'un seul sujet pendant l'heure qui va suivre. Nous l'avons déjà fait quelques fois avec notre ami André Posokov, ici présent. Nous accueillons aujourd'hui Lionel Rondouin pour parler de l'histoire du libéralisme. Alors, le libéralisme, on le sait, fait l'objet de beaucoup de débats. On dénonce l'ultra-libéralisme aujourd'hui, d'autres s'en font les avocats inconditionnels et pensent que le tout sursaut en matière économique ne peut passer que par l'application des règles libérales. Nous allons essayer de faire un petit peu le tri dans tout ce débat, mais en nous plaçant toujours dans une perspective longue, hein, dans un cadre historique. Nous n'allons pas marcher sur les plates-bandes de notre ami Olivier Pichon qui anime l'émission d'économie que l'on sait. Le libéralisme, c'est quelque chose qui se met en place à partir du XVIIIe siècle. Hein. Ça correspond à la fois à l'émancipation de l'individu, à l'émancipation du sujet, qui correspond à l'esprit des Lumières. Ça correspond également à l'établissement progressif de l'hégémonie du marché, que va décrire le premier Adam Smith dans sa Richesse des Nations. Mais ce que nous allons essayer de montrer aujourd'hui, c'est que ce libéralisme, qui a accompagné toute notre histoire contemporaine, il a connu des visages successifs, hein, il a correspondu à des représentations différentes au fil du temps, et nous allons essayer de faire le tri un petit peu dans ces diverses acceptions, afin d'éclairer ceux que ces questions intéressent quant à la vision qu'il convient d'en avoir aujourd'hui. Alors, je rappelle que pour aborder ce sujet, outre notre ami André Posokov, qui est un habitué de notre émission, avec qui nous nous sommes pensés déjà sur Churchill ou sur la guerre d'Espagne, en attendant d'autres sujets à venir, j'accueillais aujourd'hui donc Lionel Rondouin. Lionel Rondouin, qui est un ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui est aujourd'hui économiste, professeur d'économie dans divers établissements d'enseignement supérieur et qui a, selon moi, engagé une réflexion tout à fait originale sur ce sujet. Alors, Lionel, le libéralisme, donc, c'est quelque chose qui apparaît à l'horizon de notre histoire européenne. J'ai dit tout à l'heure au XVIIIe siècle, je pense que c'est à peu près cela, et ça va prendre deux formes, des choses qui vont évoluer en parallèle. Le libéralisme politique, d'abord, avec toutes les transformations que l'on sait que cela va engendrer, du parlementarisme anglais à la Révolution américaine, à la Révolution française, etc. Et puis, d'autre part, une nouvelle vision de l'économie en rupture complète avec ce qui était perçu auparavant. – Oui, c'est ça. On pourrait faire remonter l'origine des deux formes de libéralisme à la pensée de John Locke, qui est le premier, et bien avant Montesquieu, établit le principe, souhaitable au moins, de la séparation des pouvoirs, et distingue le rôle de l'individu du rôle de l'État, et crée une forme nouvelle de conception de l'individu qui a par nature un pouvoir, au moins un pouvoir souhaité, et on a là l'origine des deux libéralismes. Pour ce qui concerne le libéralisme économique, le premier embryon, on peut dire que c'est l'école des physiocrates, hein, dont les noms les plus connus sont Keynes, Turgot, mais aussi des philosophes des Lumières qui se rattachent à l'école physiocrate ou physiocratique, comme Diderot et Montesquieu. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'ils revendiquent la notion de nature. Hein, l'ordre normal des choses, l'ordre naturel des choses, doit être rétabli lorsque c'est nécessaire ou doit s'imposer, et on verra que c'est important dans le rôle de la loi et la manière dont le premier libéralisme économique et politique s'est imposé en France, c'est par le règne de l'État et de la loi. C'est toute la problématique à laquelle on aboutira, je pense, en finale de ce débat.
c'est que je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle le libéralisme contemporain soit le règne de la loi, bien au contraire, c'est plutôt une tendance à travers l'école de la dérégulation vers l'anomie, la disparition de la loi. Alors, oui, je crois que c'est ça le point le plus intéressant de votre réflexion, c'est de montrer que le libéralisme, ce n'est pas un tout, ce n'est pas quelque chose d'homogène dans la durée, hein, ça a correspondu à des visions successives qui peuvent paraître, même pour certaines contradictoires. Hein. En fait, si nous revenons aux fondamentaux, notamment en matière économique, c'est une vision au départ tout à fait optimiste des choses qui s'imposent. Bien À travers l'œuvre d'Adam Smith, notamment. Alors la date clé, de toute façon, c'est 1776, mm-hmm. à plein de titres. En 1776, le libéralisme politique prend une forme nouvelle avec la rédaction par Thomas Jefferson des principes de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. En 1776 paraît l'ouvrage central d'Adam Smith sur l'essai sur la nature et les causes de la richesse des nations. Ouais. Et en 1776, nous avons le renvoi de Turgot en France. Turgot ayant chuté. Politiquement, sur le premier essai d'abolition des corporations. Donc on a là trois faits qui sont tout à fait symboliques. Et dans trois pays qui correspondent à l'espace dans lequel absolument. Tout ce débat-là est en train d'apparaître. – Absolument. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que Turgot soit tombé justement sur le principe de l'abolition des corporations, qui ne sera achevé qu'en 91 et 92, sous la Révolution. Et c'est là un concept central, parce que on voit dans le domaine du libéralisme politique, comme dans le domaine du libéralisme économique, la volonté de réduire la société à deux pôles. Il y a l'individu et il y a l'État. Il y a l'individu et il y a l'économie globale. Et il y a une volonté qui s'exprime très bien dans la logique libérale de supprimer les structures intermédiaires. Il y a un passage tout à fait fascinant du discours qu'a prononcé le chapelier. C'est la législative en juin 92. Oui, juin 92, c'est la législative. Où le chapelier dit la chose suivante: il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire. Alors c'est une position qui s'explique extrêmement bien dans la logique libérale où la nouvelle société qui se dessine, tant politiquement qu'économiquement, va reposer sur le règne de la loi, de ce qui est juste et de ce qu'il convient de faire respecter, d'imposer, de respecter, tant à l'économie qu'aux populations politiques. C'est là, bien entendu, qu'on voit, si l'on est maurassien, la pertinence de la critique maurassienne de la Révolution, puisqu'effectivement, la notion de corps intermédiaire ou de profession ou d'intérêt commun qui ne soit pas l'intérêt dit général, hein, c'est-à-dire celui de la collectivité prise absolument, doit être abaissé afin de permettre aux lois naturelles du marché et aux lois naturelles de la société, hein, physiocratie, hein, c'est le gouvernement par la nature, hein, c'est le nom que Quesnay et quelques autres avaient donné à leur école économique, la loi de la nature ne connaît que deux pôles, l'individu et le tout. – Alors il y a un point, une petite parenthèse à propos de ce que vous disiez concernant Turgot. Turgot, donc c'est 1774-76, l'expérience Turgot au début du règne de Louis XVI, une volonté donc de réforme,
économique. On va décider, par exemple, la libre circulation des grains, des choses comme ça, avec d'ailleurs des conséquences qui conjoncturelles d'ailleurs, mais qui vont en quelque sorte compromettre le succès de l'affaire. Mais on n'envisage pas de réforme politique véritablement. Hein. Il y a bien quelques idées d'assemblées territoriales, mais tout ça reste très flou. On n'est pas dans une logique qui serait celle du parlementarisme anglais à l'époque, et encore moins évidemment celle de la révolution américaine contemporaine. Encore qu'il y ait quelques éléments dans la pensée de Turgot qui annoncent la révolution. Il y a toute la problématique de l'impôt, plus exactement de la ressource fiscale du trésor public. Et là, il y avait déjà en gestation un certain nombre d'idées qui vont être formalisées par les représentants locaux, provinciaux de la pensée des Lumières dans les cahiers de doléances, etc. etc. Ouais. Il y avait déjà une préoccupation de fiscaliser globalement la nation. De la même manière que on va, par le jacobinisme, on va centraliser l'État. – Alors ça c'est une réponse, il faut le rappeler aussi je crois, au fait de l'extrême diversité des situations en matière fiscale, hein, avec la règle étant le privilège, hein, de manière générale, privilège des ordres dits privilégiés, clergé et noblesse, privilège aussi de certaines provinces dans les pays d'État par rapport aux pays d'élection, privilège accordé à certaines villes, etc. Ça, c'est une volonté d'unification sur le plan fiscal, mais c'est pas proprement libéral. C'est une volonté de remise en cause d'un héritage qui peut paraître un peu confus et dont la légitimité n'est pas évidente. Mais... Oui, mais la loi doit être la même pour tous. Mmh. Hein, c'est un principe républicain, ouais. Et c'est d'ailleurs un principe parfaitement libéral. La loi doit être égale et identique pour tous, y compris la loi fiscale. C'est tout à fait patent de voir la résistance de certaines provinces à la pression fiscale. La plupart du temps, lorsque les Bretons se révoltent au XVIIIe siècle, c'est pour défendre ce qu'ils considèrent comme des privilèges, mais des privilèges naturels en matière fiscale. Il y a tout le problème de la gabelle, etc. La révolution va poser le principe de l'égalité fiscale, par exemple, au même titre que de l'égalité politique, c'est une des bases du libéralisme politique, c'est une des bases du libéralisme économique, et c'est pour cela qu'il faudra d'ailleurs, c'est ça qui va pas amener, mais ça va favoriser le jacobinisme dans la mesure où l'action d'un État central fort contre les provinces, contre les réticences des provinces à la réforme fiscale et à la conscription, va être nécessaire pour arriver à cette unification de la nation française et au fait que tous les individus économiques et tous les individus politiques soient égaux. En même temps, cette volonté d'unification, j'insiste, au XVIIIe siècle, elle pouvait déboucher sur un régime de despotisme éclairé. Oui. Et on a pu dire ou penser que l'échec de Turgot, c'est aussi l'échec d'un despotisme éclairé à la française. Le libéralisme tel qu'il s'est imposé ensuite n'était pas forcément au bout du chemin. C'est ça. Non, et c'est le débat entre Voltaire et Rousseau. Malgré toutes les références à Rousseau, faites par la Révolution française, c'est Voltaire qui a gagné. C'est Voltaire qui a gagné, et le jacobinisme est une forme française de despotisme éclairé. D'accord. De mon point de vue. André, oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la nature. Je crois que cela a débouché sur la notion de droit naturel qui est intimement liée au libéralisme et qui, au fond, forme leur apparition officielle au XVIIIe siècle, même si cela a été précédé par Locke. C'est la liberté.
liberté individuelle, liberté de la personne humaine liée à la responsabilité individuelle. Certes, la notion de liberté existait, elle est héritée du christianisme et même de la Grèce antique, mais l'affirmation est du XVIIIe siècle. La deuxième chose, c'est évidemment l'égalité des droits, égalité des droits politiques, égalité face à la loi, et non pas égalitarisme. Au contraire, l'autre droit naturel extrêmement important, et d'où découle la plus grosse partie du libéralisme économique, c'est le droit de propriété. Droit de propriété individuelle et qui sera inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Je crois qu'il faut rappeler ces notions de droit individuel qui ont été au départ du libéralisme, et qui ont été d'ailleurs contestés par d'autres écrivains libéraux, qui ont plutôt parlé de non-nuisance, mais là, ce sont vraiment des querelles, hein, des querelles d'initiés. Je crois que cette notion de droit individuel doit être soulignée. On a failli aller très loin en matière de liberté et de liberté d'entreprendre, puisqu'on est allé, je crois qu'en 1794, on est allé jusqu'à dissoudre l'université, a fermé en particulier les facultés de médecine au nom de la liberté de chacun, faisant suite à l'abolition des corporations, à la liberté de chacun de s'établir dans le métier qui lui convenait le mieux, y compris de s'établir sans diplôme et sans reconnaissance par des tiers de la faculté d'exercer. Bon. Alors fort heureusement, après, on est revenu en arrière, on a établi les écoles de santé sous la République, mais on avait déjà, sous la Révolution, de ce point de vue, des prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anarcho-capitalisme, quoi, les anarchapes. Hein. Que l'on retrouve aujourd'hui avec la pression de l'Union européenne sur certaines professions réglementées françaises. Comme les notaires. Ou comme les commissaires aux comptes et experts comptables, dont je faisais partie. Les experts comptables ne peuvent exercer qu'en fonction du diplôme, de l'inscription à un ordre, de règles extrêmement strictes, et ne pas faire pratiquer l'expertise comptable sans respecter ces contraintes, on est hors la loi. L'objectif de l'Union européenne, mais aussi des libéraux, comme par exemple Attali, c'est de supprimer toutes ces barrières. Et ça rejoint un peu ce que vous avez cité au titre de la Révolution. D'ailleurs, l'ordre des médecins, l'ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes, est une forme de corps intermédiaire. Bien sûr. De fait. Établi entre 40 et 45. Et de même, tout le processus actuel désigné globalement sous le nom d'ubérisation correspond aussi à une démarche un petit peu analogue, le rejet de tout cadre réglementaire contraignant et la liberté donnée aux individus de s'engager dans n'importe quelle activité. C'était tout à fait les propositions d'Attali il y a quelques années. C'est vraiment une tendance très très forte je pense dangereuse parce qu'il y a quand même un minimum de compétences, d'expérience professionnelle qu'il faut requérir de la part des praticiens. Bien sûr. Alors ça, c'est pas du tout du libéralisme originel. Non. Parce que le libéralisme économique s'est imposé par la loi. Quand on a voulu supprimer tout le maquis, par exemple, des droits locaux, des droits provinciaux, etc. Ce qu'on a fait, c'est des codes. Et on a mis du temps, d'ailleurs, pour aboutir finalement au code civil napoléonien. Code civil, code de commerce, la régulation. La régulation, alors que le libéralisme tel qu'il a pris, enfin le libéralisme contemporain tel qu'il apparaît dans les années 80 avec l'école de la dérégulation, va absolument dans le sens contraire. Le libéralisme originel s'établit par la loi, fait des lois, veut un État limité dans son périmètre d'action, mais très fort, car il est le garant de la loi. Le rôle de l'État est d'établir des règles du jeu et de les faire respecter. Garant de la liberté et de la sécurité. Absolument, mais dans tous les domaines. Le libéralisme, lorsqu'on a organisé progressivement les bourses
les bourses de valeurs, les bourses mobilières à l'époque moderne. Le libéralisme, bien entendu, a mis en place ce qu'on a connu comme étant la COB et qui est maintenant l'autorité des marchés financiers. Donc ce sont des contrôleurs. Et c'est bien là qu'est toute la problématique à l'heure actuelle, à la régulation succède la dérégulation, à la loi, code de civil, code de commerce, succède l'anomie, l'absence de loi, à la bourse surveillée par un gendarme des marchés, hein, la COB ou l'AMF, succède le shadow market, hein, le marché de l'ombre, où 60% des transactions aujourd'hui mobilières dans le monde sont effectuées sans aucun contrôle politique. Mm-hmm. Bon. Là, il y a un phénomène, c'est ce que j'appelle la révolution copernicienne, si vous voulez, du libéralisme. La révolution copernicienne. Mais ce n'est pas véritablement le libéralisme. Mais ce n'est pas véritablement. C'est un libéralisme libertaire appliqué à l'économie, en l'occurrence, hein, c'est-à-dire l'ouverture à toutes les activités sans contrôle, et intimement lié au libertaire. Libertarisme ou libéralisme social, sociétal, qui sont intimement liés. C'est comme si le libéralisme avait oublié un de ses piliers, qui est l'intérêt général. Il n'y aurait plus que la liberté de l'individu et non plus l'intérêt de l'individu, pris d'une manière atomistique, et qu'il n'y aurait plus la contrepartie que tous les libéraux authentique qu'on défendu, qui est la notion d'intérêt général, puisque le libéralisme veut que la somme des intérêts particuliers forme naturellement, par les lois naturelles du marché ou par les lois naturelles de la politique et de la résolution des conflits dans une société politique, aboutissent naturellement à un intérêt général. Et la notion d'intérêt général est en train de disparaître, ouais. Et c'est, à mon avis, la remise en cause la plus fondamentale des principes mêmes du libéralisme. – Alors là, nous sommes passés des origines du libéralisme au XVIIIe siècle, qui prend forme à ce moment, jusqu'à ses dérives actuelles. Entre les deux, il y a eu un certain nombre d'étapes d'évolution qu'il est intéressant, je pense, d'évoquer. À l'origine, Adam Smith, avec sa richesse des nations, il s'inscrit tout à fait dans l'optimisme du Lumière. La main cachée dirige, la loi naturelle du marché va garantir, comme vous dites, à la fois le bonheur de chacun et puis la satisfaction de tous au final. Donc nous sommes là dans une vision propre d'ailleurs tout à fait au XVIIIe siècle, hein, où on fait une confiance absolue justement à cette approche ou cette tentative d'approche rationnelle ou rationaliste des choses. On va avoir un libéralisme différent au début du XIXe avec un théoricien comme Ricardo, par exemple. – Oui, alors, même avant Ricardo, il y a un Français qui a joué un rôle important dans l'histoire du libéralisme, ouais. Qui est Jean-Baptiste Say. – Jean-Baptiste Say, oui. – Jean-Baptiste Say, alors on est vraiment à l'époque du tout début du XIXe siècle, puisque son traité d'économie politique paraît en 1803, et Jean-Baptiste Say va fonder un certain nombre de… d'arguments et de principes du libéralisme, même qu'il a demeure dans le discours libéral contemporain. Il va dénoncer les dépenses de l'État. Bon, il n'a pas forcément tort quand il fait ça en 1803, puisqu'on n'est pas si loin de la ruine de la France et de la grande faillite des finances du directoire, je crois que c'est en 97, avec la crise des assignats. Un moment où il y a une reprise en main en cours par le consulat. Reprise en main sérieuse. On va mettre sur pied notre système financier, fiscal, pour la suite, quoi, ouais. pour l'époque contemporaine. Mais Adam Smith n'avait pas véritablement insisté sur cette partie-là. Jean-Baptiste Say va un peu innover et va créer un discours libéral qui est fondé en raison. La question, c'est de savoir quelles en sont les limites, qui est la dénonciation des dépenses somptuaires ou des dépenses excessives de l'État. Mmh. Bon. Aujourd'hui, c'est un débat qui est parfaitement actuel, la campagne électorale en est pleine. Jean-Baptiste Say va
aussi poser un principe. C'est un des premiers à parler de, à travailler sur la notion de crise économique. Mmh. Et Jean-Baptiste Say va édicter une espèce de loi du libéralisme qui est qu'il n'y a pas de crise économique durable. Elle se résout, comment ? Elle se résout naturellement. Ça, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la suite du libéralisme, avec le refus de l'intervention de l'État, d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus virulente que ce que Smith avait avancé jusque-là. Donc la crise économique, ça existe. Mais ça se soigne comme la grippe, en se mettant au lit et en attendant que ça passe. Seul, voilà. Et ça donne ouvert la prospérité au fond de la rue en 1930. Voilà, ça va rester une théorie inchangée de la science, science entre guillemets, économique, jusqu'à Keynes. Mm-hmm. Donc c'est, innove véritablement et durablement dans la pensée économique. Et puis, il va créer sa loi des débouchés, la loi des débouchés de Say, c'est ce qui est resté le plus dans l'histoire, l'offre crée sa propre demande. C'est-à-dire tout ce qui est produit trouve son marché. Alors ça, je ne suis pas loin de penser que c'est un article de foi, bon, parce qu'il y a énormément de contre-exemples historiques et d'offres qui ne trouvent pas leur demande. Je sais bien qu'entre-temps, non pas les économistes, mais les gens d'entreprise ont inventé le marketing pour enfreindre les lois générales de l'économie et créer une demande lorsque l'offre ne trouve pas naturellement sa demande. Il n'y a pas plus anti-économique que le marketing, enfin plus anti-science économique que le principe même du marketing, qui consiste à rendre des choses non comparables. Or, le libéralisme repose dans la théorie du marché sur la comparaison. Bon. Mais cette méchanceté mise à part… – L'homogénéité des produits. – Ben oui. Or, le marketing, ça consiste à rendre les choses non homogènes. – Au moins dans les esprits. – Au moins dans les esprits, oui. Merci de cette remarque qui était, il me semble, une contribution remarquable. Mais, donc Jean-Baptiste Say critique les dépenses de l'État, réfute la notion de crise économique durable, elle se réduit naturellement par la loi de nature, il crée la théorie de l'offre, ce qui est quand même très contemporain dans les débats économiques, et il va créer aussi, et ça va rester dans l'histoire économique et même dans les mentalités, il va créer une figure mythique, une figure iconique, c'est l'entrepreneur. Mmh. L'entrepreneur, mais à une époque où l'entrepreneur assume une totale responsabilité, si vous voulez. Bon. Lui-même, la vérité. Lui-même. Et Jean-Baptiste Say avait été entrepreneur. Oui. Mais là aussi, on pourra peut-être y revenir. Le libéralisme suppose la responsabilité. Les petits entrepreneurs, aujourd'hui, sont parfaitement libéraux dans la mesure où ils sont responsables. Je ne suis pas sûr que toutes les sociétés du CAC 40, toutes les bourses, toutes les banques, etc., soient gérées sur un principe de responsabilité. Mais ça, c'est mon opinion et je la partage. Alors, donc, vous avez évoqué la figure de Jean-Baptiste Say. J'avais évoqué le Ricardo, qui correspond bien à une époque qui voit le développement du capitalisme industriel avec des effets sociaux, évidemment inattendus, la misère ouvrière, etc., etc. Et chez Ricardo, on va avoir une vision plutôt pessimiste des choses, une lecture un petit peu nouvelle de la vie économique par rapport à ce qu'était Adam Smith. – Alors Ricardo arrive à une période charnière. Quand il publie ses principaux ouvrages dans les années 1815-1820, c'est ça, ouais. La révolution industrielle anglaise est achevée, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. L'Angleterre commence à éprouver certains problèmes liés à la demande intérieure. Et Ricardo va théoriser le libre-échange, le libre-échangisme. C'est lui le vrai
le vrai théoricien du libre-échangisme. Avant Cobden, donc. Oui, absolument. Et le libre-échangisme, bien compris, étant la recherche, bien entendu, de débouchés extérieurs pour faire face à une stagnation de la demande intérieure. Alors, et l'Angleterre a mis en place un certain nombre de lois qui supprimaient des barrières et des entraves au libre-échange à l'intérieur, et a été la première nation à instaurer le libre-échange en abaissant les barrières douanières. 1846. Et alors qu'auparavant, elle était extrêmement protectionniste. Tout à fait. Et comme beaucoup de puissances libérales qui ont assuré leur développement initial à l'abri de protections douanières fortes. Ah, on peut citer Liszt pour l'Allemagne. C'est Liszt. En parlant de protectionnisme éducateur, et aujourd'hui, on pourrait peut-être parler du protectionnisme réparateur. Oui, et Liszt est d'ailleurs l'inspirateur, mais on saute plusieurs pas dans l'histoire, mais on peut déjà au moins mentionner le nom de notre premier prix Nobel d'économie français, Maurice Allais, qui était libéral comme Liszt, et libre-échangiste comme Liszt, mais au sein d'espaces économiques comparables et complémentaires. Bon. Donc une espèce de libre-échangisme continental, la notion de continent restant à définir. Ce n'est absolument pas contradictoire, mais Ricardo, lui, est un libre-échangiste plus dogmatique. Oui, c'est favorable au libre-échange absolu. Et les tissus anglais contre le Porto portugais. Et Ricardo, on dit qu'il est pessimiste. Oui, il arrive aussi une période où les conséquences sociales de la révolution industrielle commencent à apparaître, avec une paupérisation dramatique des populations ouvrières, du prolétariat urbain, mais tout ça c'est né aussi en Angleterre, on pourrait remonter au phénomène des enclosures et à l'exode rural massif de la fin du XVIIe siècle, bon, qui a créé le prolétariat urbain nécessaire au développement de la révolution industrielle. Toute chose que a parfaitement analysé, par exemple, Karl Marx. Hein, c'est l'armée de réserve du capital. Et là, il n'y a pas de raison. On peut dire que Marx a raison sur ce point, si vous voulez, même les pendules arrêtées sont à l'heure deux fois par jour. Personne n'a jamais remis en cause la pertinence des analyses de Karl Marx sur ce sujet. Toujours est-il que en 1815-1820, on a affaire vraiment aux premières manifestations d'une crise structurelle de survie du prolétariat anglais, et il y a énormément de chômage. Et là, Ricardo va, à mon avis, entacher durablement l'image du libéralisme en tant que théorie, en militant ouvertement pour l'abrogation des « poor laws », qui est un des lois sur les pauvres, qui avait déjà organisé, mais ça c'était l'héritage, l'assistance, du méthodisme, etc., l'assistance aux pauvres, ce qu'ils ne considèrent que comme une charité déplacée, Ricardo le considère comme absolument infondé, parce que les lois du marché veulent que lorsqu'il y a chômage, les salaires baissent, ce qui permettra, par une loi de nature, à la crise économique de se résorber d'elle-même. Et effectivement, Ricardo est à l'origine d'un scandale social historique qui est l'abrogation de toutes les poor laws en 1834. Est-ce qu'on ne peut pas associer au nom de Ricardo celui de Malthus qui en avait tiré pour les mêmes raisons, des conclusions différentes ? Sur l'analyse démographique, oui, bien sûr. Absolument. Empêcher la reproduction des pauvres. La démographie est trop forte et elle est à l'origine de la misère. Ce que d'ailleurs l'histoire après a démenti. Mais je pense que c'est associé à ce phénomène d'une terrible paupérisation, d'une terrible pauvreté qu'on retrouve dans la littérature et puis qui a provoqué aussi un exode massif vers l'Amérique. C'est vrai, et on ne retient dans l'imagerie populaire, au moins pour les gens qui connaissent le nom de Malthus, que sa théorie démographique, et on oublie
oublie trop souvent que Malthus est un économiste. Mmh, et un économiste libéral appartenant au cercle de la pensée économique de son époque. Et voulant supprimer ou surmonter la misère par le contrôle des naissances. Donc, qui n'est pas le contrôle par la pilule, c'est le contrôle par la faim. C'est ça. Et, puis, et par le mariage, et par le mariage tardif aussi, par le mariage tardif. Oui. C'est ce qui est suggéré dans son essai sur le principe de population. Ça va bien aussi avec la morale. Hein, oui. Bon, il ne faut pas oublier le rôle de la morale et de l'idéologie dans l'école libérale, parce que il y a dans la théorie libérale, comme dans toute théorie importante, derrière une anthropologie et une morale. Il y a une idéologie au sens le plus général du terme. Général et global du terme. Idéologie est dans mon esprit un sens péjoratif. N'oublions pas qu'Adam Smith a commencé sa carrière comme professeur de morale. Avant d'être économiste. Alors, dans cette période, nous sommes là au XIXe siècle, il y a également un économiste qui a retenu votre attention, je crois, c'est Bastiat, Frédéric Bastiat, qui aujourd'hui encore réunit des adeptes et des admirateurs. Frédéric Bastiat, oui. Alors, d'une manière que je comprends, parce que c'est un Français, il est extrêmement respecté d'un grand nombre de libéraux français. C'est un personnage assez paradoxal en définitive. C'était d'abord un très grand polémiste. C'était un homme politique engagé dans la deuxième partie de la monarchie de Juillet et sous la Seconde République. Il est mort prématurément en 1850. Et Bastiat était un polémiste brillant. Bon, il a écrit dans des journaux, il a fondé des journaux, et il a écrit des ouvrages extrêmement caustiques tels que Les sophismes économiques, où il dénonce les sophismes, selon lui, des adversaires du libéralisme intégral, et avec beaucoup de talent. Bon, non, de mon point de vue, sans commettre lui aussi certains sophismes. Bon. Parce que quand il dit, je cite, le profit de l'un et le profit de l'autre, il faudra expliquer ça à un certain nombre de gens dans la société contemporaine. Ouais. Bon. Donc je considère que, à sa manière, c'est lui aussi un sophiste. Mais c'était un polémiste et un homme politique, au-delà d'être un économiste extrêmement brillant. En revanche, il a radicalisé, de mon point de vue, la pensée libérale dans un sens qui, au moins aujourd'hui, nous apparaît comme extrêmement paradoxal et, je dirais, exagéré. Exagéré comme on parlait des exagérés sous la Révolution française. Bon. Dire que toute protection est spoliatrice, protection des pauvres, protection des agents économiques non dominants, dire que le libre-échange multiplie systématiquement des richesses, ça c'est extrêmement abusif, c'est totalement faux dans le commerce international. Le commerce international ne croit. On pense aujourd'hui que le commerce international favorise la croissance. Bon, c'est faux. Le développement du commerce international est une conséquence de la croissance. Bon. Et jamais. En proportion du PIB mondial, le commerce international n'a jamais été aussi fort qu'en 1913, alors que nous avions des droits de douane moyens à 40%. Bon. Ce qui veut dire que l'un et l'autre, abolition des droits de douane, commerce international, etc., ne sont pas systématiquement corrélés. Il y a au moins des contre-exemples. Et ils ne sont pas systématiquement corrélés, mais le commerce international ouvre des portes quand même à l'activité interne et à la croissance. Le problème actuel du libre-échangisme, c'est l'abolition de toute frontière systématique et généralisée, alors que les conditions économiques sont extrêmement différentes entre tous les pays. Le raisonnement est mondial, et au détriment des nations anciennes,
c'est-à-dire européenne. Là, je crois que se trouve la grande critique. Mais le commerce extérieur joue son rôle dans le cadre d'une économie et de sa croissance. Ça ne veut pas dire que l'on ne puisse pas élever des frontières et des obstacles à tout le commerce et des droits de douane. Après tout, tous les pays le font, sauf les nôtres à l'intérieur de l'Europe. Mais que font les États-Unis? Que fait la Chine? Tous les pays le font, par tous les moyens. Le Buy American Act aux États-Unis, c'est une préférence nationale, ce qui ne les empêche pas de réclamer de notre part une ouverture complète au travers des traités TAFTA et autres dont vous allez parler. – Le Small Business Act est parfaitement protectionniste, réservant une proportion significative des marchés publics aux PME, PMI américaines. Et ce sont des lois que, par exemple, le président Obama a refusé de supprimer lorsque nous en avons, nous, Européens, fait la demande dans le cadre des négociations TAFTA. – TAFTA. Il considère que c'est consubstantiel à l'histoire de l'économie américaine, à la manière dont fonctionne la société américaine, il n'y a pas qu'un de raison de le faire. – Et donc ce libre-échangisme est facteur de déséquilibre et d'inégalité au niveau mondial. Je crois que c'est un des meilleurs exemples que nous pouvons citer. – Et ce qui infirme justement l'affirmation de Bastiat que vous évoquiez il y a un instant. – Il y a un côté de Bastiat que franchement je n'apprécie pas du tout, c'est un peu l'inventeur en France du libéralisme libéral-libertaire. Bon, c'est l'ancêtre des anarchapes, des anarcho-capitalistes. En plus, son rôle en tant qu'homme politique, ses sophismes, même s'il reproche aux autres de faire des sophismes, c'est le Macron de la monarchie de Juillet. Quoi. Et il se vantait, de voter une fois pour la gauche, une fois pour la droite, et de vouloir réunir toutes les pensées dans un grand centre. Oui, peut-être, mais je pense que le fait qu'il votait selon les lois, à gauche et à droite, ou à droite, effectivement, ça peut être très centriste, mais en même temps, cela montre un véritable pragmatisme. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un affrontement front contre front entre les tenants du libéralisme et les tenants de l'étatisme, sans qu'il y ait un choix qui soit fait selon les conditions, selon les circonstances, entre les avantages de l'un et de l'autre. Et le fait de voter pour une loi, parce qu'elle lui semble bonne, et de voter avec la gauche ou avec le droite pour une autre loi, ne me semble pas, si c'est vraiment dans l'intérêt général tel qu'il le ressentait, une mauvaise chose. Et je rappelle qu'en Allemagne, entre les deux guerres, Schacht avait adopté des positions libérales ou étatistes, selon que c'était en 23 après la grande inflation, ou en 33 après la grande déflation, le chômage et la crise, et qu'il avait été avant tout un pragmatique, et que dans notre pays, malheureusement, mais aussi dans d'autres, nous en restons sur des positions idéologiques. – C'est vrai. – Souvent. – Tout à fait, j'en suis intimement persuadé. Cela dit, on pourrait se poser les mêmes questions sur le keynésianisme, qui passe pour une théorie de gauche en France. Oui. Bon, alors que je ne sache pas que Lord Keynes, banquier anglais, ait été un trotskiste convaincu. Je ne suis pas persuadé que Roosevelt était un bolchevique avec le couteau entre les dents. Et ça ne les a pas empêchés de lancer ensemble le New Deal et de porter le taux marginal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à 85%. C'est une question aussi de circonstances. Je crois que c'est avant tout une question de cohérence et de circonstances. Mais il y a des choses plus surprenantes. La dérégulation des marchés financiers en France a été faite par un gouvernement de gauche et un ministre de finances de gauche, c'est-à-dire Bérégovoy et M. Naouri. Et derrière, avec l'approbation de Delors. Et cette dérégulation des marchés financiers, c'est eux qui l'ont réalisée. Oui. Or, on voit bien, nous voyons bien quelles en sont les conséquences. C'est des régulations des marchés financiers, même si ce n'est pas en France, mais des régulations au niveau mondial. Moi, je me rappelle à ce sujet une conférence d'un des co-présidents du groupe Accor. Bon. Et, mais ça remonte à la prescription 1992. Bon.
et c'était devant une assemblée de jeunes chefs d'entreprise, cadres dirigeants, très bon chic, bon genre, baristes à l'époque, enfin post-baristes, ils avaient dû voter Raymond Barre sous Giscard, et il avait stupéfait tout le monde, ce patron du groupe Accor, en disant que le gouvernement Fabius, donc en 83, avait été le premier gouvernement libéral de l'histoire de France. Je pense que l'arrivée du général de Gaulle en 58, avec le rapport Rueff, Pinet, était profondément un régime économique libéral. Oui. Et ce qui fait que, en fait, l'arrivée de Fabius permettait de pallier les erreurs graves au plan économique du gouvernement Mauroy, de 81 et 82. Là, ce qu'a ajouté le général de Gaulle, c'est un état stratège, c'est-à-dire une direction. Oui. Mais derrière, c'était les principes libéraux qui s'appliquaient. – Principes de libre entreprise, et on a supprimé tout un tas de droits, de taxes, d'impôts. C'était vraiment l'état stratège, c'est tout à fait différent de ce qu'on entend par étatisme. Hein. – Tout à fait. Il s'agit d'économie administrée. – Ce n'est pas une économie administrée. Voilà, – L'état stratège, c'est différent. – C'est une économie où, selon les règles traditionnelles de la science économique, la puissance publique assume, au-delà des orientations, assume les investissements d'infrastructures majeures et de développement de l'économie. Bon. C'est comme ça qu'on a fini le réseau d'autoroutes, c'est comme ça qu'on a fini notre équipement en centrale nucléaire, c'est comme ça qu'on a lancé le Concorde, etc. etc. Bon. Et nous vivons encore sur nombre de ces décisions et de ces initiatives et de ces investissements. Et ça, ce n'est pas une innovation de Jacques Rueff. Ça a été, par exemple, dans ce pays si libéral qu'est le Royaume-Uni, ça a été la politique de la couronne au XVIIIe siècle. La couronne royale a énormément dépensé, s'est d'ailleurs considérablement endetté. Ouais. C'est le trésor public qui a payé la création et la modernisation de tout le réseau routier, des ports, de tout des canaux, de tout ce qui a permis à la révolution industrielle où les entrepreneurs étaient rois et moteurs, hein, de se développer, mais sans l'État anglais, sans l'intervention de l'État anglais sous la forme d'un État stratège investissant massivement dans l'économie et dans les infrastructures, ça n'aurait jamais pu se réaliser aussi vite. Et si cela a été le cas sous le général de Gaulle, c'est que s'il y a eu association du libéralisme économique à l'État stratège, c'est parce que avant tout, il y avait un objectif national. Et historiquement, nation et libéralisme ont associé. Je crois que sous Thatcher, qui a été une libérale convaincue et qui a appliqué ce libéralisme, il y a eu énormément de décisions de l'État anglais, mais il n'y a pas eu la même volonté de l'État stratège de relever l'industrie, d'avoir les mêmes grands projets que ce qu'avait fait le général de Gaulle. Et surtout, ce qu'a fait et ce qui lui est reproché, ça a été surtout de favoriser l'activité financière de la cité. Oui, c'était une révolution, mais par la réduction des coûts. Réduction des coûts, sans préoccupation de la dépense nécessaire, des investissements. Bon, c'est ce qui est une problématique actuelle sur le niveau d'endettement de l'État, sur le niveau de la pression fiscale, qui est quelquefois une mauvaise problématique dans la mesure où ce qui importe, c'est l'utilisation des fonds. Et peut-être est-ce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une perspective et un projet en matière d'investissement afin de relever notamment l'industrie française. – Certainement. – Il ne nous reste qu'une grosse minute, je voudrais que l'on revienne sur une personne que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est notre prix Nobel d'économie, Maurice Allais, parce que je crois qu'on le cite souvent, mais sans
d'expliquer davantage ce à quoi correspondait sa vision. Alors Maurice Sénet s'est fait une réputation mondiale à travers des travaux de microéconomie. Les détails, c'est extrêmement complexe et technique, il y a un paradoxe, etc., ce qui a trait au comportement des individus et à des arbitrages. Mais en même temps, Maurice Sénet, quoique microéconomiste, avait, comme Jacques Rueff d'ailleurs, une conception globale des choses. Mmh. On a eu là une génération, Rueff, ouais. Allais, voilà. Deux gens qui savaient concilier la rigueur de la pensée économique et de l'objectivité, de la rationalité, avec une conception de l'ordre social. Et ça, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. On pourra y revenir dans une autre émission qui, je crois, sera tout aussi passionnante. Merci Lionel Rondouin, merci André Posokhov pour ces réflexions, pour cette confrontation à propos du libéralisme qui, je l'espère, aura été éclairante pour nos auditeurs.